Télédoc est un regroupement de médecins généralistes, d'assistants médicaux et de spécialistes installés au sein de cabinets médicaux innovants. Bonjour, je suis le docteur Ilou Stéphane, cofondateur de Télédoc. Télédoc est un regroupement de médecins généralistes et spécialistes qui ont comme ambition le développement d'une nouvelle pratique en médecine générale. Les centres Télédoc portent des valeurs. La première, c'est une implication locale d'une équipe médicale. La deuxième, c'est des filières organisées, structurées pour la prise en charge des patients présentiels et intégrant la télémédecine. La troisième, c'est une télémédecine exigeante avec télé-requérant, c'est-à-dire utilisant des professionnels de santé à côté des patients à distance et des objets connectés. Le quatrième, c'est une plateforme de spécialistes accessible aux patients et aux médecins de Télédoc. Et le cinquième, un centre de formation et d'études qui nous permet une évaluation systématique de nos pratiques. Au sein du cabinet Télédoc, l'assistant médical a une place primordiale. Il accueille le patient et optimise le temps médical, notamment en prenant les constantes ou en suivant des protocoles personnalisés. Il participe à l'organisation du parcours de soins du patient en présentiel et en téléconsultation. Odile, assistante médicale au cabinet médical Télédoc. Mon rôle dans le cabinet est d'assurer et d'optimiser les consultations pour le médecin. J'accueille le patient, je crée son dossier patient, je fais les antécédents et les paramètres vitaux. Ensuite, je décide de diriger le patient soit vers le médecin, soit en téléconsultation. Comme dans tout cabinet de médecine générale, les patients sont suivis sur rendez-vous par les médecins du cabinet Télédoc qui sont leurs médecins traitants. C'est avant tout une médecine de proximité qui joue notamment un rôle essentiel dans la prévention et dans le suivi personnalisé des patients âgés ou présentant des pathologies chroniques. La filière de rendez-vous rapide permet de garantir un accès à un rendez-vous en moins de 24 heures afin de gérer les pathologies intercurrentes aiguës ou subaiguës, comme les infections ou la douleur, ainsi que la petite traumatologie. Cette filière permet d'éviter aux patients du cabinet d'avoir à recourir aux urgences par manque de disponibilité de leur médecin traitant. Les patients peuvent bénéficier, après indication de leur médecin traitant, de rendez-vous avec nos spécialistes Télédoc, dermatologues, neurologues, cardiologues, gastro-entérologues ou autres. Ces rendez-vous auront lieu au sein du centre Télédoc en téléconsultation avec objets connectés et assistance pour l'examen clinique. Chaque spécialité donne lieu à un protocole de prise en charge spécifique préalable à la téléconsultation. Les patients du cabinet Télédoc peuvent appeler pour prendre rendez-vous afin de bénéficier de visites à domicile. La visite sera, selon le motif, effectuée par le médecin traitant ou par une infirmière Télédoc disposant du matériel nécessaire permettant un examen clinique à distance. Notre objectif est d'offrir une possibilité, en particulier pour les patients les plus âgés, de maintien à domicile facilité et d'accès à la téléconsultation avec leur médecin traitant ou les spécialistes du cabinet Télédoc. Télédoc a pour objet de mettre au service de professionnels de santé locaux une plateforme de médecins investis dans la téléconsultation avec objets connectés, assistés par des infirmières ou pharmaciens. Cette téléconsultation assistée avec objets connectés est une valeur que Télédoc porte auprès des acteurs de santé locaux. Elle permet de fournir un service médical de qualité pour le patient comme pour le médecin, même si elle ne peut pas toujours remplacer la consultation en présentiel. Grâce à ces différentes filières, les cabinets Télédoc réinventent le cabinet de médecine générale, mettant à la disposition des patients et des acteurs de soins locaux une offre de soins innovante de qualité, capable de s'adapter aux différents problèmes et circonstances rencontrés par les patients.